Annie est parfaite. Elle est la fierté et la joie de sa mère et de son père. Et même ses parfums n'effraient pas les parents. Skyler, j'ai quelque chose pour toi. J'arrive tout de suite. Ma puce, papa sera bientôt de retour. Les fleurs sont déjà en place. Skyler sera ravie. Elle adore les fleurs. Monsieur, vous pouvez m'aider? Super, merci. Et tenez le bébé aussi. Tout cela tombe assez mal, mais Jack est un vrai gentleman. Sauf qu'il ne peut pas tenir les fleurs. Aïe, aïe, aïe. Il n'aurait pas dû faire ça. Skyler est toujours à l'affût. Comment a-t-il pu? Quel monstre! Skyler, c'est pas ce que tu crois. Tu l'as cherché, Jack. Annie aura un nouveau père, d'accord? Et ne t'avise pas de venir la chercher. Allez, on a un bébé à élever. Let's go. Ta femme a beaucoup de chance. Oh non. Skyler, attends! Mais on ne peut pas faire revenir le passé. Notre famille est brisée. Papa va certainement retrouver Annie. Sauf que sa mère est contre. Maman, où vas-tu? Jack le fait encore. C'est énervant. L'essentiel est qu'Annie ne le découvre pas. C'est bon, chérie, allons-y. Mais Annie est si curieuse. Maman, regarde, c'est moi. Tu voyais juste des choses, Annie. Et range ces prospectus. Mais les secrets ne peuvent pas rester secrets longtemps. Waouh! Il y a même une émission à la télé qui cherche Annie. Votre attention, s'il vous plaît. Il y a 15 ans, ma fille Annie a disparu. Regardez comme elle est belle. Aidez-moi à la retrouver. Oups. Pas possible. Jack s'est aussi introduit dans la télé. Annie, éteins ça maintenant. Tu ne peux plus regarder ça. Maman, qui est cet homme? Personne, chérie. On parlera plus tard, d'accord? Quel est le problème avec maman? Elle n'a pas l'air d'être de bonne humeur aujourd'hui. Oh, quelqu'un est là. Bonjour. Annie, c'est toi? Je t'ai enfin trouvé. Je suis ton papa. Wow, c'est vraiment n'importe quoi. Mais maman va tout comprendre maintenant. Annie, va dans ta chambre tout de suite. Il n'y a personne à la maison, Jack. Mais rien ne peut arrêter un père aimant. Jack est un homme intelligent. Annie, maintenant, nous allons être une vraie famille. Regarde, on est riche. Fais le vœu que tu veux. Et je le réaliserai. Tu ne peux pas faire ça. On n'accepte pas d'invité aujourd'hui. Ne fais pas attention à lui, Annie. Maman, est-ce que tout est vrai? Est-ce que c'est mon papa? Oh non, ma chérie. Ça doit être un sans-abri. Les affaires passent avant tout. Jack passe un mauvais moment aujourd'hui, mais il trouvera toujours du temps pour sa fille adorée. Annie, c'est toi. Mais il n'y a pas de temps pour les câlins. Annie est ici pour une affaire super importante. Papa, voici toutes les célébrations que tu as manquées. Bien joué, Annie. Tout comme ton papa. Cette liste devient vraiment longue. Oh non. Tu sais ce qu'il faut faire, papa. Faisons la fête. Nouveau téléphone? Super. L'anniversaire est pris en charge. Mais il y a tellement d'autres occasions spéciales. Laisse papa faire des folies comme il le faut. Et Jack fera tout ce qu'il peut pour faire plaisir à Annie. C'est un papa attentionné. Papa, n'oublie pas mon argent de poche. Ah oui, pour tes 15 ans. Oh, merci. C'est mieux. Merci, papa. Je dois y aller maintenant, à plus. Les enfants coûtent cher. Comme si personne n'avait prévenu Jack. Papa Ryan est très attentionné. Il connaît tellement de jeux intéressants. Papa, attrape ça. Mais Jack a quelque chose de mieux. Ceci est beaucoup plus confortable. Et c'est plus grand. T'as vu ça, Ryan? Je suis le meilleur papa. Mais Ryan ne peut pas être brisé aussi facilement. Le plan de vengeance est déjà en place. Jack n'y arrivera pas. On joue, Annie? Bien sûr, papa. Annie est une championne de fléchettes. Maintenant, elle va montrer ce qu'elle sait faire. Tu as perdu, Jack. Pas question. Annie, pourquoi ne pas tirer à l'arc? Toi d'abord, vise juste mieux. Tu t'en sortiras très bien. Annie, on va faire une fête de mousse. Les bulles sont tellement amusantes. Papa, tu es le meilleur. Mais le papa riche organisera une meilleure fête.
Le Twister, c'est si drôle. Mais Ryan sait ce que sa fille aime le plus. Annie, tu veux faire une course en ville? Qui va refuser une vraie course? La clé est de s'accrocher à la roue. Mais le papa riche possède la haute technologie. Waouh, ça semble vraiment réaliste. Mais tous ces divertissements sont vraiment épuisants. Bien que les papas aient encore beaucoup d'énergie. Seul un duel permettra de décider lequel des deux est le meilleur. Annie, ça va? Tu es épuisée. Va te coucher, ma chérie. Et vous, les tourtereaux, baissez le ton. Il vaut mieux ne pas se disputer avec Skyler. Chut, Jack. Le bébé dort. Le père milliardaire a l'habitude de manger dans les meilleurs restaurants. Et ce soir, il a des invités. Annie est prête. J'ai hâte de goûter toutes les friandises. Hein, t'es là aussi. Assieds-toi. Ils vont avoir un bon dîner en famille. Comme c'est mignon. Serveur, la glace ici est délicieuse. Merci, papa. Et le plat de Skyler est prêt. C'est une vraie dame. Ryan, lui, n'a jamais vu une telle nourriture de sa vie. Le dîner va être génial. Mesdames et messieurs, bon appétit. Je vois qu'il n'y a aucun sens des bonnes manières ici. Ne paniquez pas, il y en a assez pour tout le monde. Mais cette famille est inarrêtable. Jouer à des jeux à table est tellement amusant. Ce n'était pas le genre de soirée familiale dont Jack avait rêvé. J'en ai pour une minute. Amusez-vous bien. Mais tôt ou tard, il faudra payer les factures. Pourquoi y a-t-il autant de zéros? Skyler, fais face à la situation. C'est pas possible. Est-ce qu'ils ont tout mangé? On doit faire face à ça de façon mature. Viens, Annie, on doit y aller. Ryan, viens avec moi. Voilà Jack qui arrive. Il est tout seul maintenant. Et les vrais gentlemen ne fuient pas devant une facture. Est-ce que ça suffit? Ah oui, monsieur, parfait. Annie passe une journée horrible. Encore un F à un test. Annie? Oui, monsieur? Va dans mon bureau et maintenant! Ça ne peut pas être pire que ça. Maintenant, le principal va être très en colère. Je n'en ai jamais assez d'être une mauvaise élève. 10 F en un semestre, c'est trop! Je veux parler à tes parents et immédiatement. C'est fini. Maman ne me pardonnera pas d'avoir des F au test. Elle hurlera pendant un long moment. Et elle me mettra en résidence surveillée. Non, je peux pas appeler maman. Peut-être que le papa millionnaire sauvera sa fille adorée. L'argent résoudra tous les problèmes. Même le principal Thomas ne refusera pas un peu d'argent. Papa, j'ai une urgence. Viens à mon école. Le moment est arrivé. Papa est sur le point de donner au directeur une vraie pluie d'argent. Mais Annie a eu tort. Il s'avère que papa n'aime pas les F non plus. Oups. Les parents travaillent bien en équipe. Il est temps de réparer toutes les mauvaises notes. Au travail! Maman et papa vont aider Annie à devenir une excellente élève. Tu dois juste essayer un peu plus fort. Une virée shopping, c'est ce dont nous avons besoin maintenant. Mais les poches sont presque vides. Il n'y a même pas assez pour une robe. Mais si ton papa est milliardaire, tu n'as pas à t'inquiéter. Annie, ne sois pas triste. On a beaucoup d'argent. Fais ton choix. Wow, Annie est riche. Le monde entier est à ses pieds. Tu veux des friandises? Pas de problème. Appelle simplement papa. Et un gentil souhait se réalisera tout de suite. Merci, papa. Une valise d'argent est toujours utile. Oh, j'aimerais qu'elle ne s'épuise jamais. Il y en a assez pour n'importe quel achat. Et même un tatouage cool. D'abord l'argent, puis le tatouage. D'accord, bien sûr. Papa? La seule chose qui manquait ici était maman. Ça pourrait ne pas marcher. Un tatouage? C'est scandaleux, Annie. Tu n'as pas ma permission. On rentre et maintenant. Au revoir, ma chérie. Oh non, n'y pense même pas, toi. La voie est libre. Faisons-le. Annie est une artiste née.
Mais la police n'est pas d'accord. Vous ne pouvez pas peindre ici. Maintenant, Annie va être sérieusement interrogée. Mais elle ne veut pas renoncer à ses secrets. Il est temps d'appeler papa. Papa, j'ai des problèmes. Aide-moi à sortir. Et Jack est déjà là. Officier, je suis l'homme le plus important de cette ville et c'est ma fille. Laissez-la partir immédiatement. Comme vous voulez, monsieur. Quelle bénédiction, Annie est sauvée. Papa, je suis désolée, je voulais pas. C'était un accident. Mais les bons papas ne grondent pas pour ça. Jack aime lui-même les graffitis. Ma fille, suis-moi. Regarde et apprends comment on travaille quand on est un professionnel. Papa peut tout faire. Pourquoi Annie est-elle si en retard? Elle a peut-être été kidnappée. Et la fille va très bien. Elle a même emmené son papa. Pas un mot sur les graffitis à maman. Salut maman, je suis à la maison. C'était une super journée aujourd'hui. À plus tard, papa. C'est tellement triste de dire au revoir à sa propre fille. Mais personne n'attend Jack ici. On a passé un super moment, c'était trop cool. Chérie, j'en ai pour une minute. Jack, viens prendre le thé avec nous. Maman a une idée géniale. Annie a deux papas maintenant. Et c'est deux fois plus amusant. Comme ils sont heureux. Oh, quelqu'un est là. Ah, officier, c'est vous. Entrez. On s'est vraiment fait prendre. Tais-toi. Oups.